chiot, c'est bon le concours. Vas-y, tu sais quoi, tu vas conduire là. Bon, j'arrête. Ben, Nexan, par où vous êtes rentré? Par l'Anquet. Ouais, faux. Saint-Domingue-l'Anquet, faux. L'Anquet, Coud, Panneuil. Ah, le cambo. La petite Ralette. Allez, comme je disais doucement, hein, c'est en haut. J'ai bon l'espoir, c'est bien. Votre petite? Hein? Il y avait d'autres petites ou il y avait que la tienne? Non, il y avait les petites à mes potes et il y avait ma soeur et les copines à ma soeur. Ah, mais il y avait un peu de monde alors. Ah oui, on était pas plus qu'un. Bon alors, toi, il s'affouille de pas, t'as franchi un peu? Non, non, bon, je parle, je connais depuis toujours, mais... Enfin, moi, je sais pas, maintenant, on a dit le soir qu'elle est mignon, on t'a dit, alors, je sais pas. Merde. Ouais, ça serait pas moins ou ça, toi, je m'en fous. Mais bon, je sais pas. Je sais pas, c'est ma soeur, elle est bizarre, c'est ma soeur. C'est pas l'amour, pour l'instant. Elle est sortie quand mauvaise histoire alors. Ouais, on est pas plus que moi en plus. Il avait. Et toi, il est plus vieux que moi, il est un anglais. Mais bon, il était pas. Ça allait pas quoi. C'est celui qui a la gauche là, tu m'avais dit. Ouais, voilà, ouais, il était trop jaloux, toi. Tu manges à bloc encore. Ah oui. C'est que l'anto ou quoi? Ouais, ouais, il a léché le rico toute la soirée, c'est bien. Ah, si, mais ça y est. J'ai bien oublié chez moi.
Attention Daniel, est-ce que tu es en fréquence? Ah ouais, ça fait déjà un quart d'heure que je t'appelle. Oh l'autre, je suis trois coups. Voilà, je suis entre l'émotion 1351, toi Daniel. Voilà, je suis pas loin d'arriver au pont d'Aquitaine. Ok, oula, c'est... Hop là, par moment là, c'est un petit peu QRP, là j'ai un peu de mal à t'entendre. Ah, 205, ok, c'est parti. Ok, on passe en uniforme Sierra Bravo. En USB, on passe. Je peux pas le faire maintenant, parce qu'en tout, il y en a deux qui éclatent. Ah ouais, il y en a qui ne savent pas faire deux choses en même temps, un chi trois coups. Ok, ça marche, c'est parti en USB, le même en USB. Ok, voilà, je suis en train de passer là sur le pont d'Aquitaine. C'est un petit peu humide, autant dire que là ce matin, bah ça y est, la route est propre, il n'y a pas de problème. Ok, pour le pont d'Aquitaine, hein, effectivement. Alors, moi, je suis sur la grande de l'île compte, là, sur le pont de la maison, là, tu sais qu'il va la prendre en vie, hein. Donc, il n'y a pas de soucis, j'attends ça bien. Ah, bah oui, bah tu m'étonnes. Ah, j'ai pas encore regardé ma prise micro. Ok, bah tu m'étonnes, là où je suis perché, là comme ça en hauteur, ça peut passer, hein. Ah, déjà que tu passes bien. Alors, ok, ça pour ça, Rémi. Ça se fréquente avec madame, alors, ça. C'est pas plus gros. Ah ouais, ça va, ouais, ça a été. Là, vendredi soir, ben, j'étais au pro. Alors j'ai essayé d'écouter là le QSO, là, c'est mon petit récepteur, là, 100 gens, 505, je crois, si je me souviens bien du numéro. Mais qu'est-ce que j'avais comme paquet de QRM là depuis là où j'étais, quoi. Marc, tu m'étonnes sur une usine, si t'as pas de QRM, t'as rien compris, quoi. Ah si. Et puis samedi, ben, j'ai réservé la soirée à l'YL. Voilà, comme ça elle a été très contente. Au Porge. Ah d'accord. Ben nous là hier on est allé se promener là du côté de Bergerac. C'est vrai qu'on va toujours du côté de Bordeaux mais jamais de l'autre côté. Et là ce coup-ci, ben, hier on a plutôt pris la route dans l'autre sens, à côté Bergerac. On est allé se promener un peu, tout ça, bon, et quelques magasins d'ouvert. Les magasins habituels qui sont ouverts le dimanche, quoi. Voilà, histoire de changer un petit peu d'air, quoi. Ok, ben moi j'étais jeudi là-bas, hein. Moi j'étais jeudi, on est parti pour aller visiter Bergerac, donc on est rentré dans le petit bourg, le vieux bourg de Bergerac. On s'est garé le long de la Bourgogne, là. Et puis, comme on s'était fait rejoindre, enfin, on s'est arrêté, on a trouvé les toilettes pour ces dames. Dans la bavard
Alors, c'est Jacques. Et comme nous, avec Michel, on s'était toujours promis d'aller faire un tour à Gavard, et on est allé tous les six, là. Donc, on a fait un tour de Gavard, je dis la zone à Dordogne, on a fait ça, la route de Jacques. Et nous le ferons, c'est bien, hein. Ah bah oui, je pense. Puis c'est vrai que là, c'est une région qui est assez sympa là-bas. Hein. C'est pas mal vallonné. En plus de ça, bon, t'as les falaises, t'as les grottes, t'as plein de trucs à voir hein, dans les environs de Bergerac là par là-bas. Hein. Ouais. Et moi, je vais m'informer à ce que je vais retourner. Je vais aller voir sur la piste de la Dordogne, là. Parce que là, on a fait la rentrée de ça, parce que si on a une piste de la Bergerac, et mais les trucs que je vois, je pense qu'il y a mon billet à ce aussi, hein. Je crois qu'elle est pas. C'est comme ça, on a sûrement un billet, et je ne sais pas si mon billet est sorti de la rentrée de Bergerac. Hein. Ok, d'accord. Putain, mais il y a du monde ce matin sur la route, là. Qu'est-ce qu'ils ont tous? C'est la reprise, mon poulet. C'est la reprise. Ah, je croyais que pour une fois, il y avait que les courants, que tous les... Ah, zut, ça y est, je bafouille. J'ai cru un instant que là, pour le coup, là, tous les courageux étaient tombés du lit ce matin. Hein. Ah oui, ça peut se courageux. Je suis passé des choses pas gagnées dans mon repas, aussi, hein. Oui, affirmatif. Au fait, pour le pneu, tu t'es fait engueuler ou pas? Non, c'est bon. C'est pas fait. C'est pas fait, je te rassure. J'ai fait passer ça pour un imbécile qui m'a coupé la route. La fois qu'on a fait la voiture. Non, c'est bon. Oh putain, le branleur! Ah 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 ah! Tu m'étonnes, je suis au courant de rien, y'a pas de soucis! Non mais c'est sûr, on va le faire comme ça, au moins tu seras sûr d'être tranquille comme ça, il n'y a pas de problème, tu peux me faire confiance. Voilà, je sais, c'est pour ça que Ok, d'accord. Eh bien, côté bricolage, moi là c'est carrément autre chose. C'est là où on va s'installer, on va se brancher un ventilateur au plafond là, de la chambre. Alors le seul silencieux qu'on a trouvé, eh bien, il n'a pas d'éclairage en dessous. Alors pour le coup, l'éclairage central du plafond, eh bien on le vire. À la place, je vais brancher le ventilateur silencieux. Et de chaque côté du ventilateur, je vais mettre deux spots, enfin deux spots à LED, orientés chacun de son côté, et puis voilà quoi. Donc, ok, voilà, je suis en train d'arriver à la sortie 9.
Ok, bon, en tout cas, tu vois, au niveau des ventilateurs, s'il y a bien un truc qu'on a remarqué, c'est que les ventilateurs à hélice en bois, ceux-là, il faut les éviter. Quoi. Rien que par l'épaisseur de l'hélice, ça te fait du bruit quand ça brasse du vent, quoi. Enfin, de l'air. Alors que là, toi, c'est ventilateur hélice métallique, c'est vachement fin comme truc, et ça fait pas un bruit, rien du tout, quoi. Et là, du coup, eh bien, ces jours-ci, là, on a acheté ça. Et j'attends qu'il fasse un peu meilleur quand même pour pouvoir aller passer là dans les combles et tout, soulever les tuiles pour pouvoir aller brancher ça au-dessus de la chambre, quoi. Ok, mais justement, lui, là, tu peux pas le brancher, comme tu disais tout à l'heure, si le branches directement sur l'alimentation de la chambre. Oui, bien sûr, comme ça, quand j'allume la lumière, j'ai le ventilateur qui s'allume en même temps. Et si la nuit, on veut laisser le ventilateur allumé, on serait obligé de laisser la lumière allumée avec. T'as des super idées, toi, chie trois coups. Ouais. Non, mais de toute façon, sur ton ventilateur, non. Non, sur ton ventilateur, c'est une position où tu peux allumer la lumière. Tu peux le mettre en lumière. La seule possibilité que j'ai, c'est trois vitesses pour les ventilations, c'est tout. J'ai pas de lumière dessus. Ouais, d'accord. Ouais. D'accord, ok. Ouais, non, mais bon, tu peux l'arrêter quand même, ton ventilateur. Ah oui, il y a trois positions de vitesse et plus la première, la position off. Et vu que dans la chambre, de toute façon, il n'y a que la troisième position. Alors là, c'est foutu un peu à l'envers. C'est la troisième position la plus lente. Et c'est celle qui nous intéresse. Donc le boîtier, je t'en vais pas faire le trou dans la chambre, je vais l'envoyer dans les combles avec tout le reste du branchement. Et plus deux fils qui descendront sur un autre interrupteur. Ok, d'accord. Ok, c'est 100%. Voilà, je fais le micro, Daniel, quand tu parles à quelqu'un. Allô. Il est rendu au boulot. Daniel. Daniel, quand tu parles à quelqu'un, relâche le micro. J'étais en train de tout entendre. Attends, j'ai pas tout compris, parce que là, tu parlais à quelqu'un ou c'est à moi? Parce que là, j'étais en plein AQRM. Je suis route de Martignas. Ah, ok, d'accord, donc c'était pas loin d'arriver là. Ah, oui, je suis pas loin, et puis là, je sais pas si j'ai un paquet de QRM là, ici, là. Puis en plus, avec l'humidité, là, ça ramène encore plus de QRM. Ah, ok, bien. Je suis à l'extérieur, je ne connais à personne ce matin, je suis arrivé, donc je vais écouter tout à l'heure, 17h, ça ne m'intéresse pas les fautes, mais bon, je te laisse continuer avant, c'est tranquillement, et puis je vais aller voir un peu tout ça. Ok, attends deux secondes. Attends, je suis en train de prendre des ronds-points et tout, hein. D'accord.
effectivement, on est à de sérieux problèmes avec le micro là. Ok, ouais, c'est la prise micro. Ouais, elle a trop de jeu, quoi. Attends, je me gare. Ok. Ah non, mais là, t'as de sérieux problèmes avec le micro, là, Rémi, parce que, effectivement, là, il décroche, après, il décroche, il dit chaque fois, là. Ouais, c'est ça, il faut que je bloque la prise. C'est j'en ai deux, c'est les prises coudées. J'en ai deux comme ça, et l'une comme l'autre, j'ai autant de jeux dedans. C'est vrai que c'est casse-burette. Il faut faire que je rate ça rapidement de façon à ce qu'il reste bloqué dedans, quoi. Ok. Écoute, Rémi, je vais te souhaiter une bonne journée. Travaillez bien, mais aujourd'hui, toi, apparemment, ça vous gêne. Voilà. Bon, écoute, repars-moi ça bien. Je ne vois pas péter. Voilà, bon, je te quitte. Je vais voir le collègue là, par rapport à tout ce qu'il y a eu, là, que tu as dit. Voilà. Allez, sois bon, très encore, bonne journée, puis à demain. Parce que moi, je suis parti là pour toute la semaine. Alors, demain, non, je suis en repos. Par contre, après, le reste, oui, je suis à nouveau là. Ok, bon, mais écoute, à mercredi alors. Ok, ça marche. Allez, les bonnes surprises, 51 à toi. Amuse-toi bien. Reste pas trop dehors parce que vu le ciel, ça promet de pas être triste. Allez, bonne journée à toi. Bye bye. Ok, bye bye. Ah oui, il y a un QSO derrière. Semi qu'il y avait, ils vont aux en deux aussi, tu parles. Ça se les couilles, putain, on va y être là. Merci alors. Ça fait rien. Ça va là, ça fait rien. Elle est où? Moi je n'aurais pas repris la rocade, je fais sortir à celle-là. On va là alors, tiens. Bon, il sort là. Pisser, monseigneur. Putain, ça casse les couilles, on peut même pas s'arrêter là, putain, ça m'énerve. Ah, des cafés là-bas, arrête de t'affoler. Là, c'est à droite, là. J'ai l'autre, une découpe. Mon Dieu, les foutés. Ouais, c'est celle-là, ça y est, je m'en rappelle, c'est à droite, là. Putain, ça m'a énervé, là. Tu vois, c'est des gros connards routiers, ils dorment encore, ces enculés, là. Tard, allez. Ouais, ça manque de ma journée, moi je voulais un café, toi c'est mort là, j'ai pas envie de bosser là. Il y en a un café là-bas. Tu parles, il y a que dalle. Il y a un resto, j'y ai mangé. Complètement baisé, c'est bordelé.
deuxième rond-point, là, je crois, deux ou troisième rond-point, il faut regarder, il doit y avoir des panneaux, là, c'est un routier. Et je pense que c'est la même route pour entrer à la centrale, hein. Oui, 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 oui. Oh, mignon, il parle plus mignon. Non, c'est ça, t'as raison. Dans ce cap ferré, moi je trace mignon, tout droit. Ah non, non, c'est bien, moi aussi j'ai pris tout droit. Et au bassin mignon. Hein? En vélo là, bon, on voit, je crois que je sais plus, non c'est pas à gauche, c'est encore, c'est à droite là, on voit. Non, pas déjà mignon. C'est mignon. Ah oui, regarde, on voit les semis avec l'enrobé là. On peut boire un café à la boulangerie là. Oui, c'est bon, je suis passé hein. Oh. Regarde, bistrot du phare, alors. Je me gare là, là. Arbre, hein. Tu peux te garer toi là-bas? Ouais, ouais, je vais rester un peu sur la route, c'est par là. Regarde là, moi. Hein. Ouais, je suis garé mignon.